tout le monde, c'est Mickaël. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Donc au niveau d'un oracle qui s'appelle « À l'écoute de vos vibrations ». Il a été écrit par, enfin écrit et d'ailleurs créé pardon, par Sonia Choquette. Vous pouvez le trouver aux éditions Exergue. Je vous mettrai de toute façon le lien sous la vidéo. Si jamais vous voulez vous le procurer, le lien Amazon. Donc c'est un oracle composé de 52 cartes. Donc on le trouve dans un petit coffret comme ceci. Le coffret est très rigide. Hop. Donc moi personnellement c'est un oracle qui m'aide beaucoup puisqu'il a des messages clairs et vraiment francs, bien marqués. Et ça permet de nous guider en fait pour la journée. En général, je le tire le matin. Et puis ça me permet de réfléchir au niveau de ce qui peut se passer dans ma journée, au niveau de mon comportement, des choses à faire ou ne pas faire, etc. C'est vraiment un bel outil, je trouve. Donc je vais vous présenter ça. Donc comme je vous le disais, il est dans un petit boîtier qui est vraiment solide. Donc ça, c'est top. Alors, il est composé donc de 52 cartes et également d'un petit livret à l'intérieur, même d'un, enfin, c'est pas vraiment un petit livret, il est un peu plus gros que ça. Le petit livre est en noir et blanc. Vous avez à chaque fois, donc il y a une petite intro au début, et puis vous avez donc le numéro de la carte avec la petite photo et la phrase, le message qui est inscrit dessus et la signification. Bon alors, personnellement, je ne regarde jamais les significations, tout simplement parce que la phrase est très claire. En général, le message est vraiment clair et permet est un bon guide. Voilà, à chaque fois, la phrase est vraiment bien marquée et bien claire et ça permet de nous guider le long de la journée, tout au long de la journée. Donc voilà. Donc pour le petit livret, mais bon, ça peut être un complément. Donc c'est toujours bien, c'est vrai, d'avoir un complément. Ça peut aider, ça peut en aider quelques-uns. Donc c'est vrai que ça peut être pratique. Donc un petit livre. Et puis, alors je vais pousser ça, hop. Et puis ensuite, donc on va trouver les cartes. Donc elles font 7 tailles-ci. Je vais peut-être le comparer par rapport à... je vais prendre un Le Normand. Voilà, par exemple, un petit Le Normand. Donc, je vais prendre une carte. Hop, tiens, d'ailleurs, on va en tirer une. D'accord, c'est le foutoir. C'est un peu flou. On verra ça. Peut-être que je vais me tromper ou je vais recommencer la vidéo parce que j'aurais dit des bêtises ou que j'aurais été trop hésitant. Mais bon. Donc voilà au niveau des cartes, au niveau de la taille. Donc par rapport à un petit Lenormand. Voilà. Donc il est assez grand hein, au niveau de la main. Bon, je suis pas grand non plus. C'est vrai que quand je les tiens dans la main, ça a de l'importance. Hein, c'est assez imposant. Bon après, il y a des cartes plus grandes. Donc, mais bon. Hop, je vais enlever ça. D'ailleurs, voilà ma petite pochette, comme je vous disais, la petite pochette verte où je range mon Le Normand, le classique, que je cherchais lors de la dernière vidéo. J'ai fini par la retrouver. Elle était sur une étagère, toute bête. Donc, ces cartes-là sont dorées au niveau de la bordure. Hop. Donc ça, c'est plutôt sympa. Elles glissent extrêmement bien. Voilà, hop. Ça, pour ça aussi, il n'y a pas de souci. Au niveau de la qualité, vraiment, c'est un bon jeu. Hein. Là, il n'y a rien à dire par rapport à d'autres jeux que j'ai en ma possession. Et j'en ai, croyez-moi. D'ailleurs, je vous ferai d'autres reviews. Mais celles-ci font partie des meilleures qualités. Hein, parce que c'est à la fois souple et résistant. Et donc comme vous pouvez le voir, donc le dos est comme ceci,
Donc vous avez un dessin avec au milieu un cœur avec des ailes et deux personnes qui se trouvent sur le côté. Je trouve ça très beau, très beau, très c'est très gai, très joyeux au niveau des couleurs. C'est énergique, je trouve, et ça permet de partir du bon pied, on va dire, le matin quand on regarde ces cartes-là. Enfin, moi, je sais que à chaque fois, quand je les utilise, désolé, vous entendez peut-être quelqu'un éternuer à côté. Quand je les utilise, ça me fait du bien. Voilà. Parce que je me sens bien. C'est agréable à regarder. Donc on y va. Pour la première carte, on va essayer d'aller vite. Hein. Donc à chaque fois, vous avez le dessin de la carte qui est toujours différent. Donc vous voyez toujours ces couleurs très gaies. Donc très coloré, c'est vraiment sympa. Et donc vous avez le numéro de la carte en bas à gauche, en bas à droite, je vous dis des bêtises, et le message. Alors le seul bémol, mais c'est vraiment le seul bémol hein, de ce jeu là, c'est que c'est vraiment dommage qu'ils aient notifié ces messages comme ça en plein milieu et en gros caractères. Bon, alors après je sais que ça a son importance parce que c'est ce qu'on voit, c'est l'information principale, même si on peut se référer également, parce que je sais que je le fais également, je me réfère également aux petits symboles qui se trouvent derrière. Souvent ça me parle, je vois quelques symboles, je sais pas, par exemple là, ici l'oiseau, mais à chaque fois il y a des petits symboles qui se réfèrent à un moment de la journée ou à une façon d'être ou une... Donc souvent ça aide également, mais l'écriture, c'est vrai que l'écriture en plein milieu, et puis en plus elle est jamais écrite au même endroit, donc ça je trouve que ça gâche un petit peu, même si comme vous pouvez le voir, l'oracle est très coloré et super, c'est vraiment agréable de visualiser ces images. Voilà. Mais voilà, au niveau de l'écriture, là, que ce soit la grosseur également, la taille des lettres qui est différente également à chaque fois, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu écrire le message en bas, mais bon. Après, bon, l'oracle, il est ce qu'il est, et puis moi, après, il me parle, et puis vraiment, comme je le répète encore, c'est le seul point négatif, parce que sinon, il est très agréable. Donc, on y va pour les cartes. Ici, on a, donc, il est merveilleux d'être unique, en numéro 1. Ancrez-vous, voilà, en numéro 2. Suivi du temps d'arrêt. Vraiment, il est top. De retour à l'essentiel. Voilà, donc vraiment, les messages sont clairs. Hop. La nuit porte conseil. Comme vous pouvez le voir, c'est franc, c'est direct. Sortez les crayons à colorier. Voilà, en numéro 6. Le langage corporel. Voilà, donc comme je vous le disais, les petits symboles, souvent ça m'aide, moi également. Ça me fait penser à d'autres, à certaines choses qui peuvent se produire, que j'ai en tête sur le moment ou qui peuvent se produire dans la journée. Riez. Voilà pour la numéro 8. Ensuite, nous avons la carte des réactions instantanées. C'est vrai qu'ils m'aident beaucoup à chaque fois. Souvenez-vous de respirer profondément. Voilà. Ensuite, il faut jouer. Test de son. Faites appel à vos anges. Faites appel à vos guides guérisseurs. Donc il est à la fois très terre à terre, je trouve,
mais également spirituel. Et c'est vrai que c'est un beau mélange. Voilà. Il y a un bon équilibre, je trouve. Faites appel à vos aides spirituelles. Voilà. Faites appel à vos guides de joie. Ensuite, nous avons parlez-en ouvertement. Peut-être qu'à la place du Mysterium, ou j'utiliserai ces cartes-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en fait ce que vous en pensez. Et si je sais pas, vous voulez que je change, ou même au niveau des tirages d'ailleurs, des guidances. Si vous voulez que j'utilise plutôt ces cartes-là. Ou... Donc, mentor et modèle. Ensuite, nous avons en 19, apprenez. Dégagez la voie. Voilà. Aidez-vous. Excusez-moi. Attendez-vous au meilleur. Méditez. Ensuite, nous avons en numéro 23, qu'aimez-vous? Suivi de revendiquer vos limites, en numéro 24. Donc comme je vous le disais, enfin et comme vous pouvez le voir, les cartes, enfin les dessins décrivent bien le message à chaque fois. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Voilà pour la 25. Comme vous le voyez, ça glisse. Hein. À chaque fois que je repose la carte, elle part. Donc, demeurez dans votre propre peau. Voilà pour le conseil de la numéro 26. Le lâcher prise. Ensuite, nous avons « Allez faire un tour pour vous calmer ». Décidez. Évaluez vos vibrations. Ensuite, la carte « Prier ». Nous avons ensuite purifié votre aura. Recherchez la solitude. Voilà, donc on a fait un bon bout, un bon paquet, un peu plus de la moitié. Prenez en note. Nommez votre moi supérieur. Ensuite, libérez-vous du passé. Suivi de la carte de l'union fait la force, en numéro 37. Hop. Exercez vos vibrations. Enveloppez-vous de lumière. Ensuite, soyez souple en numéro 40. Inventez une nouvelle histoire. Faites appel à vos coursiers. Hop. Prenez votre temps.
Écoutez votre cœur. Ensuite, oula. Donc, faites semblant jusque-là, ce que ce soit. Faites semblant jusqu'à. C'est moi, excusez-moi, bah, quand je vous disais que la carte du flou, enfin, du Lenormand est bien tombée pour quelque chose, c'est moi qui ne sais plus parler. Donc, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Voilà. Hop. Voyez la solution. Nourrissez votre esprit. Très jolie carte également. Voilà. Ensuite, nous avons vous êtes le patron. Partagez une respiration. On a bientôt terminé. Il en reste trois. Soyez généreux en numéro 50. Voilà. Acceptez les présents de l'univers. Avec cette corne d'abondance. Et la dernière, soyez reconnaissant. Voilà, qui est très jolie d'ailleurs, celle-ci aussi. Donc voilà pour cet oracle. Cet oracle guide de la journée. Je trouve que, enfin, de toute façon, vous avez pu le voir au niveau des phrases qui sont fortes et très pertinentes. Et moi, je sais qu'elles m'aident. Elles m'aident chaque jour quand je lis le petit message. Donc, je vous rappelle le titre, « À l'écoute de vos vibrations » de Sonia Choquette. Je vous mets le lien en dessous, donc le lien Amazon, pour ceux qui veulent y jeter un œil. Je vous dis à très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres reviews, n'hésitez pas. J'ai des tas d'oracles, j'ai des tarots également, j'en ai pas mal. Pareil pour les Lenormand. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis de toute façon, que ce soit pour vous faire des reviews ou pour d'autres choses au niveau des guidances, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que la chaîne évolue. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, laissez un petit like, parce que je sais que bon, je radote, mais malheureusement ça marche comme ça, vous savez. YouTube, pour que les chaînes puissent continuer, survivre, etc. Vous pouvez me laisser des commentaires et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À laisser, d'ailleurs, je vous parle d'un commentaire, mais ça peut être également négatif. Tiens, celle-ci, elle est à l'envers. Voilà tout. J'ai inversé, bon. Donc même si vous laissez des messages, enfin des critiques négatives, ça peut être négatif comme positif, mais de toute façon, même le négatif apporte une évolution au niveau de la chaîne, puisque c'est quelque chose que vous n'avez pas aimé, et donc ça peut que faire évoluer positivement la chaîne, mais évitez justement de mettre un dislike, un petit pouce à l'envers, puisque et sans message, parce que enfin ça servira à rien, donc c'est un peu dommage. Donc autant au moins mettre votre commentaire, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose de négatif, on pourra en parler, bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, de toute façon c'est dans le désordre et c'est pas grave, hop. Et je vous fais plein de bisous, et puis je vous remercie de je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite avec sur d'autres vidéos sur YouTube. Ciao !